Monsieur le ministre de la fonction publique et du travail, mesdames et messieurs, le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, mesdames et messieurs, chers invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour 15 décembre 2021 dans cette salle est relative à la passation de service entre M. Malick Sampon, précédemment directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, sortant, et M. Bakary Silla, directeur général entrant, suivant le décret du 14 décembre 2021 de Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le directeur général sortant, depuis plusieurs années que vous dirigez les destinées de cette direction, grâce à votre leadership et votre capacité managériale, plusieurs chantiers de réforme ont été initiés. Et à cette solennelle occasion, je voudrais vous remercier au nom de Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et au nom de M. Mohamed Béhavoudi pour tout le service rendu à la nation. Aussi de vous dire que vous n'avez pas démérité, mais le principe de mobilité est de mise au sein de notre administration publique. Monsieur le directeur général entrant, en vous nommant à cette prestigieuse fonction hautement stratégique, Son Excellence Monsieur le colonel Mamadi Doumbouya a fondé son choix sur des critères bien établis. Votre capital d'expérience, entre autres, mais également votre formation académique, vos capacités techniques et managériales et votre loyauté. Il vous a choisi aussi parce qu'il a voulu joindre l'acte à la parole, ayant toujours à l'esprit que la refondation de notre administration publique n'est ni un slogan, ni un vain mot, mais c'est l'expression d'une vision, d'une volonté politique fortement affirmée et appliquée. Et il mérite naturellement d'être félicité. Vous comprendrez, Monsieur le directeur général entrant, que les défis à relever sont énormes. En effet, vous prenez la tête de cette direction générale stratégique dans un contexte où le pays est résolument engagé à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en activité et ceux ayant fait valoir leur droit à la retraite afin qu'ils bénéficient d'une meilleure fin de retraite. Tout neveu vous accompagne dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom de Son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Béhavoudi, je déclare officiellement installé dans cette nouvelle fonction, Monsieur Bakary Silla, fonction de directeur général de la Caisse nationale. Aux travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de sécurité sociale, avec beaucoup d'humilité, je vous demande, si, par mégarde, j'ai pu manquer de respect ou de bon comportement envers les uns et les autres, je vous demande pardon. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, madame le chef de cabinet,
du ministère du Travail et de la Fonction publique, monsieur le vice-président du conseil d'administration de la CNSS, représentant madame la présidente du conseil d'administration, mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le directeur général entrant de la CNSS, monsieur le directeur général adjoint de la CNSS, mesdames et messieurs les cadres de l'administration en général, porter ma contribution à l'édification de notre pays dans des domaines divers et variés. Je rends grâce donc à Dieu, l'unique maître du temps, pour le souffle qu'il m'a donné et la santé pour l'exercice de ses nobles missions. J'exprime ma gratitude à mes parents, ma tendre épouse, ma famille, les amis, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à mon affirmation dans le parcours administratif dont je tourne aujourd'hui une page comme à toutes occasions. Monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence, mesdames et messieurs les administrateurs de la CNSS, travailleuses et travailleurs de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale restera une étape parmi les plus importantes de ma mission de commis de l'État. Nous avons ensemble œuvré pour l'avènement d'une sécurité sociale au service des assurés dont nous avons placé la satisfaction au centre de toutes nos initiatives. Le rêve d'une institution capable d'atténuer le choc des risques sociaux s'est matérialisé dans les actions accomplies au niveau structurel et opérationnel, suivant les exigences d'une méthode de gestion axée sur les résultats initiés dès 2012. Par le biais de cette méthode, nous avons doté la CNSS d'un document de planification stratégique couvrant tous nos domaines d'activité, soutenu par un manuel de procédure administrative, financière et comptable. La mise en œuvre du plan stratégique a permis l'augmentation des ressources de la CNSS, l'amélioration des prestations sociales, l'informatisation des services, la construction de l'hôtel de Lyon-Unès de Bokeh, l'identification biométrique des assurés, la modernisation des agences et antennes, la création des agences de proximité à Colombie, la création d'une direction de prévention et d'action sanitaire et sociale, l'organisation du congrès africain sur la santé et sécurité dans les mines et carrières, la SMICA, la modernisation du mode de paiement des pensions par le biais de la téléphonie mobile, le maintien de la participation de la CNSS dans les actions de la NCA Banque Guinée, la réalisation enfin du centre de diagnostic doté d'équipements modernes parmi lesquels on peut citer un laboratoire d'analyse biomédicale, une radio numérique, un scanner, un appareil de mammographie, une IRM et un bloc de cathétérisme cardiaque. Tous ces accomplissements sont à mettre à l'actif du personnel de la CNSS auquel j'exprime toute ma reconnaissance. Une administration ne vaut que ce que valent les hommes et les femmes qui l'animent. Le renforcement des capacités du personnel
demeure ma plus grande fierté à la tête de la CNSS. Avec moins de 10 cadres spécialisés en gestion d'organismes de sécurité sociale en 2010, la CNSS compte aujourd'hui une soixantaine de travailleuses et travailleurs diplômés d'écoles spécialisées en sécurité sociale. Monsieur le directeur, vous prenez en charge aujourd'hui une institution qui nourrit beaucoup d'ambition pour le bien-être des assurés dans l'attente légitime et mesurée à sa juste valeur. Vous disposez d'un personnel compétent, assidu, ponctuel et avec lequel tous les défis peuvent être relevés avec le soutien du conseil d'administration. Monsieur le vice-président du conseil d'administration, mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames et messieurs, comme toute œuvre humaine, celle accomplie à la CNSS au cours des dernières années ne saurait être totalement parfaite. Malgré la réussite enregistrée à maintes endroits, d'autres chantiers méritent d'être signalés, dont entre autres, l'adoption du nouveau code de sécurité sociale, l'augmentation des pensions, la mise en service des deux nouveaux scanners au centre de diagnostic, l'obtention du titre de propriété du site de l'hôpital Bessia, l'achèvement des travaux de construction et la mise en service de l'hôpital de Bessia, la dématérialisation de la déclaration des salaires et du paiement des cotisations sociales, l'extension de la couverture aux services informels, l'instauration d'une retraite complémentaire pour les cadres et assimilés, la présentation du rapport de l'étude actuarielle du régime de la CNSS, le relèvement du plafond des cotisations sociales, etc. Je suis persuadé que vos compétences, votre expérience professionnelle et vos aptitudes dans la gérance seront des atouts certains pour la réussite de votre mission. Dans cette phase cruciale de l'histoire de notre pays, sous la conduite du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, la sécurité sociale doit occuper la légitime place qui est la sienne dans l'amélioration du bien-être de nos compatriotes. Vive la Guinée, vive la sécurité sociale, que Dieu protège et vous respecte. Madame la ministre, Madame la chef de cabinet, secrétaire général du gouvernement, Monsieur le vice-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Monsieur le directeur général sortant de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mesdames et Messieurs les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de sécurité sociale, chers amis, chers invités, Son Excellence Monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef des armées, colonel Mamadi Doumbouya m'a fait l'honneur de nommer au poste de directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je voudrais, à cette solennelle cérémonie, de façon que je termine, exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à M. le Premier ministre, pour la bienvenue, pour ses soutiens, pour ses soutiens, dans mes précédentes fonctions de conseil spécial. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays est engagé dans une nouvelle ère avec pour ambition la refondation de l'État à la fond des aspirations de la population guinéenne, notamment en matière de protection sociale. C'est pourquoi nous devons œuvrer à la mise en œuvre de la protection sociale en matière de sécurité sociale des travailleurs et des retraités pour leur garantir un niveau de prestation de meilleure qualité. Monsieur le directeur général sortant de la Caisse nationale de sécurité sociale, cher Marie-Christine,
Il y avait pas enfin de but sous votre direction, on perdait les dernières années, rehaussé notamment au niveau du service de la sécurité sociale. Vous avez listé un certain nombre d'acquis. Je vous en félicite. Formule à votre endroit mes vœux de santé. Mesdames et messieurs les travailleurs et travailleuses de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans le processus d'amélioration de la qualité des prestations assurées et retraités, les différents chantiers que nous menerons ensemble dans les jours et les mois à venir nécessitent l'implication totale de chacun. À cet égard, je pourrais compter sur un personnel motivé, déterminé, engagé, qui fera œuvre d'esprit et qui privilégiera sur l'intérêt général à l'intérêt particulier. Qui me concerne, je vais assurer de mon entière disponibilité, de mon entière et de mon total engagement à répondre aux attentes du président de la transition et du CNRD. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais renouveler encore une fois ma contrainte de colonel Mamadi Doumbouya, au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre du Travail et de la fonction publique, de leur confiance placée en ma réputation. Enfin, je voudrais terminer en souhaitant que mes parents, mais aussi, et surtout mes enfants, trouvent ici l'expression de ma totale reconnaissance et de l'immense sacrifice. Toute la Guinée.